de Fabrice. La Fabrice a tiré l'énergie pour moi. Et t'es mal nous en l'air. Et t'es mal Fabrice. Allez, 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 allez. Maestro. On parle à nous, maestro. On parle à nous, maestro. Comment tu dis, non, maestro? Oui. Oui, t'arrête. T'arrête. Si mon petit l'en cas là, et que deux fois, nous tout le monde, en famille, il faut avoir de la bienséance. Il y a des choses qu'on peut dire devant les enfants. Donc, nous employons un langage codé. Le bon langage, vous l'utilisez pour si vous ne comprenez pas ça, n'a dit, hein. Vous comprenez? Dit bagaillon, petit Jean Marchal. Alors, calmement, en regardant la télévision, je dis à ma femme, chérie. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais si ce soir je faisais un appel au téléphone? Alors elle me regarde, elle me dit gentiment, ce soir non, le téléphone ne fonctionne pas. Bon, bah, Zinzou, le téléphone ne fonctionne pas, c'est vraiment bonne nouvelle, non? Bon, on a Haïti même habitué, Digicel tout le temps. On ne s'en pas passé, mais bon, l'autre fois, Canada, téléphone normal, je vais passer. Normalement, je suppose c'est passé. On va comprendre. Alors, je dis bon, chérie, mais j'aimerais réellement faire un coup de fil. Il faudrait que je passe un coup de fil. Une longue distance de préférence. C'est ça. Je voudrais faire un appel outre-mer. Elle me dit, ah non, définitivement, les lignes sont coupées. Ah bah, mais les lignes sont coupées, hein. Bon, bien, mes chéris, pas un problème. Bon, alors, puis j'ai un long téléphone public. Madame, moi, je vais sur le téléphone public. Là. Madame, regarde calmement, doucement, gentiment, avec un petit sourire sur les lèvres. Il dit, ben, quelle est, ou qu'elle doit rentrer 2 mètres. Et puis, où est-ce que vous ligne publique là, quand elle est là? Oui, ça arrête! Son dire.